Madame, dis-moi, quelles sont les matières que tu n'aimes pas à l'école? Qui te fait sécher coup peut-être? Français. Français, tu as combien de moyens là-bas? Non, le bruit. Au fond de toi, tu sais que tu penses que tu sais chanter? Qui, moi? Oui, toi. Non, c'est à quelqu'un, c'est à d'autres personnes de décider, ça, c'est pas à moi. Non, moi, je te pose la question. Moi? Oui. Je demande tout le monde. Aïe! C'est moi. Les téléspectateurs pourront juger parce qu'il y aura une prestation tout à l'heure. Ok. Oui. Ça dépend du talent aussi. Hein. Non, mais ce qui est bien, moi j'apprécie déjà sa polyvalence et je pense que cela a payé avec une nomination lors de la récente cérémonie du prix MUD et tout. Malheureusement, vous n'avez pas pu repartir avec le trophée. C'est déjà une très bonne étape. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce que vous prévoyez déjà? Déjà, pour les prix MUD, ça fait trois fois maintenant qu'on nominé, non? On a les anciens. Ah. Trois fois, bon, la première fois, on devait prendre ça, mais ça, c'est un discours. On devait? Oui. Pourquoi? Parce que tout était à notre disposition. Au niveau de vote en ligne, SMS, on était devant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé. Ils ont donné ça à qui on pouvait donner. Ils ont donné? Oui. Qui a remporté cette année-là? C'était qui? Cette année. Cette année? Non, la première année où vous étiez. Dès qu'ils ont pas. Non, on est sortis en même temps. C'est pas fair play, hein? Non, c'est pas fair play, mais ça fait mal, en fait. Et puis, on n'était pas à Abidjan, on était à Mans. Mm-hmm. On nous a appelé. Vous pouvez venir, on dit ok, si on nous appelle, on sait que c'est déjà bon. Donc, dans le cas, on vérifie si on est devant. Il y a ce qui nous a fait mal même, c'est les fans qui étaient en Amérique, tout ça, ils envoyaient de l'argent, les 100 000, les 200 000. Nous aussi, on prend tout, on met dedans. En même temps, ça vous a boosté, ça vous a donné des opportunités. Vous avez pris mieux de là. Oui. Oui, le fait d'être pourquoi pas, oui, ça non. Booste. Oui, ça c'est clair. Donc, quelque part, vous avez gagné. C'est clair. Oui, on a gagné. Et puis, c'était une première fois. Pour la troisième édition. Donc, cette année, l'année dernière, édition 2022, vous avez été critiqué, notamment pour vos tenues. Parce qu'il y avait les sauts. C'est mon manager même qui a apporté les sauts. Voilà. Voilà. Et la Moula a annoncé que pour l'année prochaine, l'accent sera un peu plus mis sur les tenues. Il y aura l'année prochaine, hein. Dieu va faire grâce. Voilà. Ah donc, c'est vous qui avez dénaturé la cérémonie. Anaconda vous a critiqué. Voilà. Oui, il nous a critiqué. C'est lui. Anaconda vous a critiqué. Il n'y a pas de drap. Est-ce que vous regrettez de l'avoir fait ou pas du tout? Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Hein. Oui, mais les critiques, c'est fait exprès. Mm-hmm. C'était voilà. Pour attirer justement. Voilà, pour attirer, pour avoir de l'audience. On fait les bad buzz ici, c'est pas à Bigo à la prochaine. Donc à la prochaine édition, c'est-à-dire que là, vous allez monter le niveau, c'est-à-dire on va monter le niveau. Ça et ça vous a apporté quoi de venir en se avec des sauts? Ça, des la visibilité. Mm-hmm. Plus mais de visibilité. Comment plus tu marches? T'as mis colle dans les sauts là-haut, mais comment non, tu marches? Non, c'est pas moi, ici à dans le niveau. Il faut regarder bien. C'est le malade, tu allais voir tout à l'heure. Oui. Comment voilà. Tu marches? Tu vois le saut là, il a percé dedans et puis il a fait passer code. Ouais. Tu vois, donc c'est code qui attrape son pied quand il soulève. Il va avec. Mais est-ce que celui qui est en robe de mariée? Il est en grande souffrance. Oui, lui là, c'est mon frère, ça. Il s'appelle Aziaputa. C'est un artiste comédien aussi. C'est une soirée de prestige. Et là, comment vous êtes? Non, vieux, soirée de prestige. Et c'est nous, on a commencé le moment. Non, mais il n'y a personne qui a fait ça, qui a mis ses pieds, ouais, pieds dans les. Il s'est comment dirais-je même? Il s'est démarqué en fait. Abusé quand même. Abusé? Ah oui. Il a fait quoi? Saut, baignoire. C'est pas très élégant. Non, même temps, non chez lui, c'est pas élégant, mais. Le but aussi, c'est ça. De se faire remarquer. Je pense que le but a été. Exemple, venez pour là. Romain Chiaya. À qui on fait. Il y avait un foutu aussi. Oui. Avec voilà, dernière chose. Il y avait pas mal de choses. Moi, je pense qu'on s'est fait remarquer dans le bon sens. Aujourd'hui, les projets de Segano. Mes projets. Et de Mariam également. De Mariam, bien. Pour 2023, qu'est-ce que vous prévoyez? Parce qu'à un moment, tu as expliqué qu'à cause des études de Mariam, il y avait eu une petite pause sur les vidéos. Aujourd'hui, en 2023, à quoi vos fans doivent s'attendre? Bon, déjà, moi, côté comédie, là, je vais même Mariam, comment dirais-je, même toujours au devant. Voilà, moi, je vais être là en tant que réalisateur, grand frère, manager. Maintenant, mon côté artiste chanteur, là. Voilà, je vais mettre plus le paquet là-bas. Mais ce que tu fais là, est-ce que ça ne sera pas professionnel de ta part de trouver un manager, puis tu suis le manager, puis tu suis ta carrière? Pour Mariam? Oui, oui. Oui, mais je dis elle est manager en fait. Ah, elle est manager en voilà. Ce moment. Mais manager là, c'est le manager du groupe. Du groupe. Voilà, elle n'en a pas un bédier. Merci voilà. Elle a un manager pour lui. Voilà. Et c'est toi qui t'occupes personnellement d'elle. Elle, voilà. C'est très important. Mais dis-moi, tu suis un peu les études de Mariam quand même? Qui Mariam Diabou? Oui. Oui. Mariam, dis-moi, quelles sont les matières que tu n'aimes pas à l'école? Qui te fait sécher coup peut-être? Français. Français, tu as combien de moyens là-bas? 12. Ah, mais tu as 12 et puis c'est tu n'aimes bon, pas. Déjà la moyenne. Bon, la matière que tu aimes alors? Ta SVT. Matière préférée. Et là, tu as combien de moyens?
17 de mai. Ah, ah. Hey. Oh, c'est bien ça. Ouais, tête rouge, hein. Tête rouge, ouais, non, c'est bon. On espère qu'il n'y a pas quelqu'un à l'école là-bas qui traite les cours pour toi, hein. Non. Mais dans ta classe, il n'y a pas un petit garçon que tu aimes un peu. Anaconda, ah, hey. Hein? En automne de l'émission. Elle est trop jeune. Et puis il y a le grand frère qui est là, donc voilà. On ne dira pas.